Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Madame Azéma, Monsieur Mathiot, pour la qualité de votre rapport. Nous nous devons de tout mettre en œuvre pour donner à chaque jeune les meilleures chances de réussir. Or, force est effectivement de constater que l'ampleur et la diversité des difficultés territoriales ou autres affectent la réussite scolaire de nombreux élèves en France. Dans votre rapport, vous proposez donc des mesures visant à conforter l'éducation prioritaire tout en développant des politiques territoriales adaptées à la diversité des besoins régionaux et locaux et préciser que les politiques scolaires devraient, selon vous, être mieux intégrées aux politiques interministérielles d'aménagement du territoire. Je suis persuadée que vos préconisations vont dans le bon sens et j'oserais dire que beaucoup d'entre elles seront incontournables si l'on veut une véritable égalité des chances. Toutefois, je dois aussi dire que je reste interrogative quant à la possibilité de leur mise en place, en tout cas pour certaines. Vous avez compris que je parle surtout ici de l'aspect financier et décentralisation. Vous ciblez très justement la problématique du transport, mais y a-t-il une véritable solution ? Votre proposition 4 vise à reconnaître et valoriser sur le plan indemnitaire l'ensemble des personnels en REP+, vous y citez les AESH, ce que je ne peux que saluer grandement, et même si je pense qu'il faut aller plus loin dans la prise en compte de l'accompagnement des élèves handicapés et que cela passe entre autres par une meilleure formation et une meilleure reconnaissance de ces accompagnants, y compris hors éducation prioritaire. Pourriez-vous peut-être nous donner votre avis sur ce sujet ? Je terminerai par le 3A de votre rapport qui recense les choix privilégiés par la mission. Je me suis interrogée sur la nature précise de ce que vous entendez par le renforcement de l'offre éducative dans les territoires en difficulté scolaire et notamment par la formation des personnels à la difficulté sociale et scolaire. J'aurais voulu savoir à quel personnel vous faisiez référence et de quel vecteur de la difficulté sociale et scolaire il est question. Je vous remercie. Merci, Madame Descamps. Monsieur Molac.